Ah, coucou, bien le bonjour tout le monde, c'est Néo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 21 de Néo versus la Fourmilière. Oh my god, mais que s'est-il passé? Cela fait 2 mois que je n'ai pas joué à Néo versus la Fourmilière et je me suis dit, allez, la motivation doit venir du fond de ce que vous voulez qui finit en on, du moment que c'est pas dégueulasse. Épisode 21. Que dire? Il faut que je finisse cette série. Désolé du temps que j'ai mis, j'avais pas vraiment envie d'y jouer à cette série, et puis voilà, j'avais pas envie tout simplement. Et là c'est bon, là je me suis dit, allez, on est chaud patate, on va finir les objectifs. Et voilà, donc si vous vous souvenez bien, il faut qu'on finisse l'armure en diamant. J'ai checké un petit peu hein, ce qu'il fallait faire avant. Armure en diamant, nous avons le casque et le plastron, complètement défoncé. J'ai 30 niveaux, pourquoi, je ne sais plus, il faudrait que je répare mon épée. Pour combien il y en a à réparer ma fucking épée? Évidemment, j'ai pas de diamants. Hop, alors, pour combien j'en ai? 13 niveaux. 17 niveaux. 21 niveaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas la réparer tout de suite. J'ai plusieurs choses à faire. Alors, finir l'armure en diamant. Donc c'est pour ça que je garde les diamants. J'ai plus d'armure en fer. J'ai plus beaucoup de fer, faudrait que j'en fasse un, faudrait que je fasse le golem, mais bon, le golem au pire. Oh, Zef, donc on va se faire un pantalon, et ben un pantalon et des bottes, ça passe parfait, ok. Alors, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on récupère la dernière médaille des arbres, et la dernière médaille spéciale. Après, il y aurait les autres donjons, mais j'ai pas envie de me faire chier. De m'ennuyer à les chercher. Pour la médaille des arbres, je sais où c'est. La médaille des donjons, je sais où c'est. Je sais aussi où c'est, on me l'a dit. Donc j'ai été voir tout ça, j'avais été voir il y a longtemps, j'ai été revérifier là. Alors normalement, la médaille des arbres, c'est celle de ce biome qui nous manque, parce qu'on a tous les autres. Donc je crois que c'est la médaille sapin, un truc du genre. On n'a pas de la terre. Si on a de la terre, je préfère utiliser de la terre que de la pierre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la chercher. Par contre, je vérifie un truc. Voilà, je m'attaimais en peaceful. Et pour avoir le diamant, en fait, j'avais pas capté, mais à chaque donjon spécial, il y a, sur les parois, il y a un point d'interrogation avec du diamant. Et du coup, c'est ce qu'on va s'occuper de faire après. C'est qu'on va aller retourner sur les 3 donjons dont on n'a pas défoncé la paroi pour aller choper le diamant et essayer de finir le stuff en diamant qu'on a. Donc c'est le plan. It's the plan. Ah non, c'est en dessous. C'est en dessous. Je me disais, il y a un truc qui cloche, mais normalement, c'est en dessous. On entend les araignées. Bon, j'espère que le son n'est pas trop fort. Normalement, ça devrait être bon. Ah, voilà. Voilà les dungeons de la forêt. Alors, par contre, comment c'est agencé, cette merde? Ok, donc là, on est un peu trop haut. Aïe. Toujours les 4 spawners. Toc, 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 toc. Donc, on va... descendre là. On va descendre là et puis on va aller péter les spawners en dessous. Hein. Tic, tic, tic. Donc je vais essayer de finir vite cette aventure entre guillemets. Parce que j'ai pas envie de vous saouler, j'ai pas envie de me saouler avec ça surtout. Parce que voilà. Cette map est bien, mais ça fait trop longtemps que ça dure et j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de partir sur autre chose. Je sais pas encore quoi, faut que je trouve des idées. Alors, par contre celle-là elle est bientôt morte. C'est embêtant. Ok, ça c'est bon aussi. On récupère. Non, vraiment, j'ai pas la motivation de continuer cette map. Parce que je l'ai trop faite. Enfin, je l'ai trop faite. Non, j'ai pas fait beaucoup d'épisodes dessus, mais... elle ne m'attire plus, voilà. Elle ne m'attire plus, ça je pense que vous l'aviez compris. C'est pour ça qu'il faut que je l'arrête. Il aurait peut-être dû me faire une pioche en fer, mais je n'ai pas de fer non plus. Hop, 2, 32, et il manque un donjon normalement que je devrais pouvoir atteindre comme ça. Ok, impeccable. Hop là, donne-moi ça, on remonte et on les défonce. Fais pas de quartier. Aujourd'hui, c'est moi le patron. Allez, biatch. On est pas en diamant, ouais, il reste encore un petit peu de coupe, hein, mais pas tant que ça. Oh putain, il y a du monde. Coucou les copines. On est parti pour une petite demi-heure de vidéo là. Tranquillou.
Alors, voilà, la dernière étoile au niveau des étoiles de bois. Une citrouille, je sais plus si j'en avais. De la terre. Bloc terre, ça je vais peut-être prendre, même si au final je vais pas vraiment m'en servir. Ok, donc ça c'est bon. Voilà, un donjon de plus. Et maintenant on va aller dans le Nether. Non, on va rester sur ici. Il faut que j'aille péter le mur. Le mur de ce du donjon spécial de ce biome. Toi, tu dégages, merci. Et il faut que je retourne à l'entrée du biome. Quand on va déposer un petit. Heureusement que j'ai réussi à me décaler sur les lianes, sinon j'étais dans le caca. Hop. Quoi qu'il y avait peut-être. Non, il y avait déjà le kill droit. Parce que là on est en 1.4.7, bah, comme Devil RPG, vous me direz, mais bon. Ou alors on répare la pioche. Non, je vais vraiment garder la pioche jusqu'au dernier moment. Dommage qu'on puisse pas faire d'outils en émeraude pour le coup. Comment c'est trié ça? Ça doit être trié comme ça, allez hop. Osef, fuck la police. Donc j'ai pas de citrouille, intéressant pour faire. Pour faire le bon. Non. Le. Comment ça s'appelle? Le golem. C'est pareil, j'ai pas assez de fer. Et puis bon, j'ai pas le courage d'aller en refaire. Les pouces, on les met là. Et voilà, on garde l'étoile parce qu'il faut le déposer. Et on va chercher le diamant. Alors ce qui aurait été bien, c'est que j'aurais. Ça aurait été d'avoir fortune. Alors, je peux toujours prendre le risque de faire une pioche en diamant et de l'enchanter direct. Mais bon, tant pis. Tant pis. Tant pis, tant pis. On va garder celle-là. On va aller choper le diamant qui nous reste. Surtout si on tombe sur un truc de merde. Quoi que fortune tombe souvent. Ah, du coup, j'ai envie de tenter le pari. Bon, allez. On s'en fout. On est joueur. On est joueur, on va prendre les 3 diamants. On va refaire une pioche en espérant tomber sur fortune. Voilà. Ça va jouer comme ça. Hop. On ne plaisante plus. C'est si on a fortune là par contre c'est le win. C'est le win, c'est le point god win. Et on ne plaisante plus. Yes! Yes! C'est une putain de bonne pioche en diamant. Efficacité 4, solidité 3 et fortune 3. Yes! Impeccable, on va aller pouvoir choper les derniers diamants qui nous restent à choper et puis là normalement ça devrait être large pour finir le stuff. Oh oui, ça c'est bon. C'est ma semaine, j'aurais dû jouer au loto tiens aujourd'hui. Alors, on est reparti, on va aller au donjon spécial. J'ai mis des torches je crois à cet endroit-là. J'ai été faire un petit tour tout à l'heure. Et j'ai mis des torches à l'endroit où il fallait que je creuse à peu près. Alors, bon, d'ici deux épisodes, je pense que ça devrait être fini pour cette série. C'est après, on a l'épreuve finale qui est tout en haut. J'ai pas l'œuf de dragon, alors je sais pas où c'est qui se trouve. Puis on s'en fera popper un. Mais du coup, ouais, non, je sais pas où choper l'œuf de dragon qu'il nous faut. Normalement, c'est par là. Et du coup, je sais pas, mais on va s'occuper de détruire tous les spawners. Ouais, voilà, faut que je creuse là pour arriver par derrière. Merci, ne pas me faire attaquer. Ishtrek. Ça, c'est bien, c'est un arc à bandeau. Je crois qu'on l'avait filé. Alors, bon, c'est par là qu'il faut creuser. Avec notre super pioche à peine shitei. Normalement, on devrait tomber sur une sorte de couloir. C'est ça, voilà. Donc, le couloir, avec le point d'interrogation, il faut qu'on démolisse tout. Il faut qu'on démolisse, donc c'est ce qu'on va faire. En évitant de bousiller le reste en fait. Donc faut qu'on laisse apparent le. C'est un point d'interrogation normalement, mais là pour le coup, vu que c'est mélangé avec le mur. Donc on a un diamant là. On va libérer tous les contours du mur. Ah, ça par contre je prends. Et ça je ne veux pas. Si on peut faire le golem, on le fera. Mais il faut quand même pas mal de fer donc. Donc je sais pas trop. Alors. Normalement il y en a un au-dessus aussi. Il y en a 3, je crois. Il y a 3 diamants. Et 2. Parce que là, ça pop. Hein, derrière, ça pop à fond. Ça fait 2. Et normalement, il y a point d'interrogation, je crois. Tic, 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 tic. Je crois que j'ai. Voilà, ça fait 3. Ok, donc là, il y a les 3 diamants.
Non, on va voir combien on va en looter. Ah, attendez. Ok, ça c'était prévisible. Je m'en doutais en plus. Je m'en doutais. Aïe, aïe, c'est que merde. Bon, je crois que j'en ai douté pas mal. Dégage. Dégage. Ah, laissez-moi. Oh, merde. Dégagez. Allez. Ok, ça c'est bon. On a chopé 2 diamants. Bon, mieux que rien. Ça aurait pu être quand même un peu mieux. Tac. Un seul diamant. Non, me faites pas ça. Fortune. J'ai eu de la chance de t'avoir, alors tu vas me faire le plaisir de servir. Hein? Ok, donc là j'en ai vu 3 par contre. Yeah, ça fait 6. Donc 6 diamants sur les 3, c'est pas mal, c'est même très bien. Du coup, on se barre. On se barre, on a encore 2 donjons à aller voir pour choper du diamant supplémentaire. On va prendre le fer quand même. Toujours être utile. Non, j'ai vraiment eu de la chance là sur la pioche, tant mieux, ça va. Ça me donne un petit coup de boost quand même pour finir cette série. Je vais pas dire que je me force hein, à finir, j'ai envie de finir. Mais j'ai plus envie de finir que envie de jouer en fait. Donc là ça va, là, ça me dérange pas de jouer, ça me barbe pas, donc j'en profite. Et j'avais pas envie de vous proposer que du Diven RPG non plus. Parce que voilà, j'en ai fait 3 normalement, le troisième épisode devrait être sorti aujourd'hui dans 20 minutes. J'irai le sortir après cet épisode. Voilà, si vous voulez, on est mercredi. Et donc voilà, il faut que j'ai envie de proposer autre chose, une autre série en alternative. Pour ça, il faut que je finisse d'abord. Néo versus la fourmilière, tout simplement. Parce que voilà, je l'ai commencé, je la finis. Hop là, ok. Bon, bah on en a fini avec ce biome. Il faut qu'on retourne dans l'end. Donc j'aurais peut-être même pu passer par là. Ouais, on va éviter de se faire des tours pour rien. On va directement y aller. Quoi qu'il est plus haut en fait. Non. On va faire le tour. Merci. On va faire le tour et on va y aller tranquille. Alors là, il y a un blaze qui tourne. Je ne sais pas pourquoi. Notre épée 288. C'est pas très grave. Ça gère la fougère quand même. Yeah. Ok. Impeccable. J'essaie de pas mourir, tiens, ça serait sympa de pas mourir. Normalement, si j'y vais pareil comme ça en mode ninja, devrait pas y avoir de soucis. Après, ça risque d'être en haut que ça pose problème. Mais bon, on n'y est pas encore. On va aller voir un petit peu toutes les médailles qu'on a. Il doit nous en manquer, hein. Pas tant que ça, mais il doit nous en manquer. Mais suffisamment pour quand même dire qu'on a quand même pas mal taffé la map. Special Dungeon, donc c'est pas celui-là. Sapling Dungeon, ok. Donc on a les 4. Là, on en a 2, 4, 1 et 3. Donc, il nous en manque pas beaucoup, il y a Creeper qu'on n'a pas eu beaucoup. Et là, il nous manque la médaille spéciale du Nether. Et le Nether, il est là-haut. Le Nether, il est là-haut, va falloir qu'on grimpe. Et après, par contre, est-ce que le mur est bien placé? Je ne sais plus. Est-ce que le mur de récompense? Déjà, dans le Nether, on n'a pas le coffre de récompense, déjà. Alors normalement c'est dans la glowstone qui est là-haut, voilà. C'est là-bas. Ne me demandez pas comment je le sais, je le sais. J'ai été regarder un petit peu, on m'a dit à peu près où c'était. Puis j'ai été checker ça en mode créatif. Oui, en mode créatif. Ah, mais voilà, comme ça moi je sais où c'est. Je vous finis la map comme il faut. Ou presque. Et comme ça, on sera tous contents. Parce que beaucoup me réclament Néo versus la fourmilière. Ils me demandent quand est-ce que je continue, tout ça. Et ben voilà, vous avez votre réponse maintenant, tout de suite, pas plus tard. Donne-moi ça. Ok. Donc là, si je me souviens bien. Ok, donc là, il y a direct le mur. Alors ça par contre, c'est pas cool. T'arrêtes de couler, s'il te plaît. Il y a le bassin de lave juste. Alors, par contre, est-ce que il y a d'autres coups de lave? Faut que je fasse gaffe, faut que je fasse attention. S'il y a de la lave là. Alors, le premier diamant est là. Oh, ok, ça c'est bien.
Je sais pas si c'est safe en dessous. Pourquoi mon PC... Mon PC se met à chauffer, je ne sais pas pourquoi. On va récupérer... Waouh, mais j'ai des coups de lag. Ça pop dur de l'autre côté, j'ai l'impression. Ouh, ce sera intéressant pour avoir... C'est qu'il est. Ouais, c'est assez... Ah mais... Comment ça se fait que ça lag comme ça? J'ai chopé 3 diamants de plus en tout cas. Ça c'était prévisible. J'ai pas d'autres trucs, j'ai de la pierre. En tout cas je me suis pas safe derrière en fait. Si là je tombe par contre, la chute va faire mal, très mal même. Donc on... voilà, on se protège un peu. Déjà faut qu'on récupère le coffre en fait, hein, parce qu'on l'a pas la médaille. Après dans les autres biomes, bah, voilà, on s'en moque un peu. Mais... J'ai peut-être des potions de résistance au feu chez moi, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe à ça. Alors... Aïe. Tac 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 tac. Faut que je me fasse un bunker, dégage toi. Dégager les copains, ça me ferait plaisir. Hop là, ça c'est un bunker qui prend forme. Faut que je régène en vie. Mais c'est vrai que j'ai pas regardé chez moi, je suis sûr et certain que j'ai des... la potion de résistance au feu. Ok, ça c'est bien. Si je pouvais viser genre là. Ok, bon, là c'est sécurisé aussi, entre guillemets, bien évidemment. Ok, bon, ça c'est bien. Maintenant. Là c'est de la bedrock, donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal que ce soit de la bedrock. Ouais, que je regarde si je peux pas péter ça là-bas. Ah si, ça va être bon là. Eh, easy money, œuf de loup, et le disque, voilà. Maintenant, il nous faut le diamant. Tranquille, tranquille, on y va. Sans une once de problème. Alors, sachant qu'il doit y en avoir 3 diamants à peu près. Et que j'en ai trouvé 2. Et le troisième doit être plus bas, je pense. On se protège un petit peu quand même. Tech. C'est en dessous que j'ai pas confiance. Pas sûr qu'il y ait du sol en fait. Ah bah voilà. Alors. Ça pue le silverfish par contre. Hop. Donne-moi du diamant. Oh, je crois qu'il y en a qui est tombé de l'autre côté. J'en ai chopé 2, c'est pas grave. Si ça c'est bon ça. Par contre ce qui est pas bon, c'est si je me fais pousser. Hop. Hop. Voilà. Ok. Je crois que j'en ai chopé qu'un par contre. Ça en fait 12. Ça en fait 12 et il nous reste une paroi à aller prendre. C'est dans le end. C'est dans le end qu'il faut aller choper cette paroi. Et bah du coup c'est ce qu'on va faire. Hein. On ne va pas se priver. Hop, on va aller dans le end. Enfin dans le biome end. Tic tic tic. Pour aller chercher la dernière paroi de diamant. Et puis pouvoir finir l'armure. Réparer son épée, voire en faire une nouvelle. On va voir. Ça me fait un peu de terre. J'ai la médaille. On va passer la déposer. Comme ça, on aura tous les donjons spéciaux. Bon, je me casse. Ça vaut pas le coup. Esquive. J'hésite honnêtement à faire une map super hostile. Mais je pense que ça va me saouler aussi. Donc, je sais pas. C'est une idée que j'avais. J'aimerais bien faire une un jour. Pas forcément en solo. Donc j'ai le temps d'y réfléchir, je verrai pour une peut-être avec d'autres gens. Voilà, c'est une information pensée totalement random qui va faire écrire des tonnes et des tonnes de lignes aux médias. Et en vrai, je sais pas ce que je vais faire à la place de Neo versus la fourmilière. J'aimerais bien faire autre chose que du Minecraft à la limite, mais je sais pas. Donnez-moi vos avis si vous avez des idées aussi.
aussi lointaine puisse être de ma chaîne, du truc que je veux, enfin du concept de ma chaîne, du contenu de ma chaîne. Proposez-moi des idées, pas n'importe quoi non plus. Enfin voilà, vous faites. Si vous avez des trucs en tête que vous aimeriez bien voir jouer, je sais pas, même moi je sais pas, faut que je réfléchisse. J'avais envie de faire autre chose que du Minecraft, mais j'ai pas vraiment d'idées. Donc voilà, faites-moi des propositions, faites comme vous le voulez. Et puis du coup, on essaiera de voir ce qu'on peut faire après Neo versus la fourmilière. Alors, ça c'était mes chevilles. Et le donjon est derrière. Alors, hop. Ah, miam, 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 miam. Et le donjon est en dessous. Et la paroi, elle est là, je crois. C'est celle-là. Ah oui, c'est celle-là, la paroi. Ben, impeccable. Les parois sont bien placées. Ça, par contre, c'est moins bien placé, ça. Ok, copain. Par contre, elle a l'air d'être totalement recouverte, celle-là. Donc, pour la découvrir, hein, ça va être un peu plus complexe. Ah, diamant. Un diamant. Coucou les copines. Ne venez pas m'agresser pendant que je bosse. Hop, voilà. Deux diamants. Et le troisième devrait pas être loin. Ça sent plus ou moins un point d'interrogation, ça. Le troisième devrait être juste là. Voilà. Comme je suis trop intellectuel. Alors. Je m'y attendais, je me suis dit je vais pas protéger parce que voilà, on va y aller vite. Et cette coquine. Bref, j'ai chopé un diamant. Faudrait que j'en chope. Il m'en faut 11 pour le futal et pour les bottes. Si je me refais une épée, il m'en faut 13. Ouais, il m'en faut 13, donc j'en ai assez pour me refaire une épée là. Parce qu'elle est vraiment pourrie, donc à la limite, si je peux en refaire une et renchanter, je ne m'en priverai pas. Après, il y a le torse qui est quand même pas mal abîmé, donc à la limite, je le réparerai peut-être pour m'affronter à l'épreuve mortelle de la fin de notre cœur. Allez, on y retourne, on va choper le diamant et puis on s'arrêtera là pour l'épisode 21. Peut-être un peu plus court que les autres et que la généralité de mes vidéos, mais c'est pas grave, je veux pas tout finir en un épisode, je vais faire ça en peut-être des épisodes un peu plus courts, quoi, mais comme ça, je vais me préparer tout ça et on fera l'épreuve finale après. Alors, salope, j'ai pris ma pioche. Hop, 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 hop. Voilà, là je peux pas tomber. Il y a du diamant là. Give me some diamond. Un aussi, merci. Sale radine. Alors. Et là. Si je tombe, je vais avoir. Super mal. Et je crois que j'en ai chopé un aussi. 15, ok. Bon. Donc ben voilà, ça fait 15 diamants. C'est plus que satisfaisant. Heureusement que j'ai pris le pari de faire cette pioche au final, parce que sinon j'aurais été dans la merde. Comme pas possible. What the fuck. Voilà. Donc voilà, on a nos diamants. Il y a du fer ici, mais il faudrait que je switch le biome. Et le fer, j'en ai que 17. Pour le golem, il faut 36 blocs. 36 lingots. De faire. Du coup, je ne peux pas faire le golem. On sera pas niveau 30. Je sais pas si je pourrais réparer mon torse avec 11 niveaux. Peut-être une fois. Si on va peut-être pouvoir réparer avec un diamant. Vu qu'il n'est pas très enchanté. Tu te fous de moi là? Je sais pas pourquoi tu viens me taper, saloperie d'Underman de merde! Laisse-moi! Laisse-moi, tu vois. Genre, je te calcule pas, quoi. Pas mon pote, tu me laisses tranquille. Et moi, je continue à tracer ma route. Aïe.
Hop! Nous voilà avec du diamant, prête, s'il te plaît. Un donjon là-bas, mais je l'ai déjà fait. Et l'épreuve finale là-haut avec toutes les sortes de trucs bizarres. Sûrement une chier de spawner, je ne sais pas. Hop là. Au final, on sera quasiment pas servi du système d'échange avec les émeraudes. Tellement il est useless. En un arc abondant, ça c'est bien. On a de quoi réparer l'épée ou refaire une. Je vais voir. Je vais finir le stuff déjà. Parce que l'épée me tiendra pas le combat final, ça c'est sûr et certain. Du coup, on va étudier la question un petit peu plus sérieusement. Cette vidéo est spéciale. Enfin, je sais pas. C'est bizarre. Je suis à la fois motivé et moyennement content de jouer sur cette carte. C'est. C'est torturage de ménage. Alors, tu reviens ici. Toi, tu te casses, tu te casses, tu te casses. Les yeux d'œufs. Les yeux d'œufs. Pierre du néant. Je m'en contrefiche. Est-ce qu'il y avait du fer qui traînait? Oh, il y avait un peu de fer là-dedans. Très bien, j'ai les succès. Youpi! Alors, bon, déjà, on va se faire le futal et les bottes. Tic tac 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 tic tac tout tout. Voilà. Il nous reste 4. Donc de quoi refaire une épée. Mais voyons voir pour réparer le plastron. Are you fucking kidding me? Fuck you! Et ben on ira avec ça, tant pis! Avec les 4 diamants qui restent, je vais réparer mon épée. Parce que je vais pas en refaire une, mais elle sera utile contre les zombies. Je vais passer le niveau. Ok, fuck you. Hop. Je vais refaire une épée. Et je vais tous vous défoncer. Voilà, c'est gentil, ça me fait plaisir. Tu me donnes ça. Tec, 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 tec. Tec, tec. Et tec, tec. Voilà qui est mieux. Toi, tu restes dans mon inventaire. Est-ce que je peux faire de l'enchant niveau 11? Hop. Niveau 11, qu'est-ce que je peux faire? Pam. Châtiment 1. Ok, c'est de la merde. C'est pas grave, on y va avec le stuff minimal requis. Hop, 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 ça tu restes là. Le stuff, on va le garder au cas où. Bon, c'est surtout le plastron, les diamants qui restent. Bah, je peux rien en faire de particulier, hein. Donc on va les garder. On va les laisser là. Les underpearls, ça peut être sympa pour monter. Ah oui. Donc je vais pas avoir besoin de ça, ça je garde. La poussière de luminite, la roche des tréfonds, la redstone. Voilà, on est prêt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter. On va monter à partir de. Bah de là. On va monter, on va gravir le haut. On va aller sur le sommet, puis on va se retrouver pour sûrement l'épisode final. Alors je sais qu'il me manque le golem. J'ai fait le stuff, j'ai déposé les médailles. J'ai fait une bonne partie du truc. Voilà, ce sera pas une. Ce sera pas complet, mais on va aller se taper l'épreuve finale. On va même se. Se giver un œuf d'Under Dragon. Je sais pas où il est. Je sais pas s'il faut l'avoir avec les. Les. Comment. Les émeraudes, je sais pas du tout. Doudou. Non. Évidemment. Dragon. L'œuf. Comment on l'a l'œuf? Est-ce qu'on peut se l'aiguiller? What? Ouh. Ils sont sympas. J'ai loupé les trucs. D'hiver. On peut pas se donner l'œuf. Euh,
faut croire que non. Il faut croire que non. Il est pas là-dedans. Eh ben non, bon bah c'est génial. Bref, j'espère que l'épisode 21 vous a plu. J'en suis moyennement satisfait. Il est temps que je finisse cette aventure. Il est temps. Donc on va partir de pas par ici. On va partir de là. Et nous allons monter les échelons un par un. Et nous allons arrêter là l'épisode 21 et je vais commencer le 22 et sûrement l'épisode final. J'aurais peut-être dû prendre plus de caillasse pour monter là-haut. Désolé, faut que je retourne prendre des trucs pour après parce que je vais arriver en haut, je vais plus avoir de cailloux et puis pour monter sur les trucs, si j'ai besoin de détruire certains spawners, ça va pas être possible. Du coup, on va prendre des cailloux. Voilà, voilà. Tu dégages, s'il te plaît, merci. Hop là, voilà, c'est bon. On a ce qu'il faut, on y retourne. Tic, 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 tic. Hop. Oui. On est stuffé correctement avec un arc, j'ai des flèches, c'est bon. Une épée en diamant qui est un peu efficace contre les zombies. Une pioche en diamant qui est très efficace. Des underperles, un arc, de l'eau en cas de besoin. Et un chien qui arrive parce qu'il a sûrement envie de bouffer son gâteau. Tac, 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 tac. Hop. C'est vachement haut. Bonjour. Ah oui. C'est très... Oh la vache. Ok, très bien. Voilà. On s'arrête là pour l'épisode 21. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de un petit peu finissage de trucs bidules. Finissage de stuff en diamant. Et on se retrouve incessamment sous peu pour l'épisode 22, sûrement demain, l'épisode final de Divine RPG. De Neo versus la Fourmilière, ça fait longtemps que j'en ai tourné, j'étais très content d'en tourner. Ou pas. Non, ça a été. Merci à tous, je vous invite à laisser un pouce vert, un commentaire, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à la chaîne si vous me découvrez. Vous connaissez tout ça. Peace out, motherfucker. J'ai un peu plagié Bismuth 3, mais c'est pas grave. Allez, ciao à tous et je vous fais plein de bisous.